C'est la première fois. J'ai déjà vu des opéras et des ballets qui m'ont bien, bien intéressée. Et là, je trouve très bien aussi. Très, très bien, parce que c'était très bien filmé aussi. Il n'est plus. Soyez le bienvenu, messieurs. Sans note pour le bal. Qu'on fasse place. Allons, jouez les musiciens. Et en avant, jeunes filles. C'est comme un peu les opéras, si vous voulez. Au début, on est un peu réticent. Et puis, au fond, on marche très, très bien. On rentre très bien. Wapitam, pam, papoué. Pam, pam, pam. Pam, papoué. Je porte à l'auriculaire une chevalière 1.4 carat, large comme ma face. On dit que je prends des airs, je fais des manières, mais quand je donne ma main, tu l'embrasses. Quand mes fesses plissées s'enfoncent dans le cuir, mon pouvoir est bien en place et je lâche pour moi-même un sourire. Aussi loin que me ramènent mes souvenirs sur terre, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Wapitam pam papoué, ridi biba bibi, wow, na ridi biba bibi, wow, eh eh oh. Found somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some other have seen my never been mean, my never been cross, try to be boss. They wouldn't do for nobody else. Give me a thrill without your first. I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. La langue dans laquelle j'écris n'est pas le français, n'est pas le créole. Je le dis souvent. C'est une langue qui est la mienne. J'écris en Marie Scondé. On compte avec la main. On commence à compter à partir d'un an. La main indique bientôt grande ouverte. Ça reconnaît. Puis l'autre main, rapidement, se tend à son tour. Puis toutes les deux s'ouvrent. Yeah.
supporte pas de se sentir aliéné par un prénom qui l'enferme dans un carcan de conventions sociales blanches. C'est qu'à 20 ans, il te faut un McDo pour t'en mettre le lendemain. À 35 ans, il te faut deux. Je te dirai d'explorer le monde. Je n'ai toujours pas de casier, je cherche l'intendante. Pourriez-vous avoir l'obligeance de m'indiquer l'emplacement de son bureau, s'il vous plaît? Mais je dis quoi, là? Bah, je sais pas, moi, je dis quoi, là? Je cherche le bureau de l'intendante. Madame Beuglard. Bon, ben, c'est comme c'est. Hein. C'est bâtiment C. Merci, jeune Jean. Sympathique, ces jeunes. Que ce que j'aime librement, c'est-à-dire que je ne veux pas de sponsor, je ne veux pas de producteur, je ne cherche pas de subvention, je ne fais que ce que j'aime. Donc quand je monte sur scène, je défends complètement avec mes tripes, mon cœur, ma tête, tout ce que j'ai envie de partager avec le public. Donc le public nous tire vers le haut aussi. Et j'aime beaucoup moi ce rapport parce qu'on vit ensemble, mais vraiment ensemble à tous les sens du terme. Et comme je dis souvent, bon c'est vrai, le public c'est notre patron, mais c'est aussi un membre de la famille qui est exigeant, qui ne vous laisse rien passer. Parce qu'en fait, c'est leur exigence à eux qui me force à avoir une rigueur. Alors évidemment, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je fais du tai chi chuan, je fais des arts martiaux, ça c'est clair. Hein. Force de jouer, de rencontrer les gens et d'en parler, mais apparu de façon finalement assez claire que c'était une histoire de migration. Est-ce que c'est mon blues à moi de blanc, petit-fils d'immigré, en 2015, j'ai essayé de comprendre l'esprit du blues, hein, pas de le ressentir, pas d'essayer de faire une copie, un hommage à cette musique noire-là qui est née dans des conditions particulières et par des gens qui avaient une histoire particulière.